Tite qui va nous expliquer. Vous allez devoir installer, donc vous munir. Chut. Mise à jour. Donc, sur Play Store. Donc, je vais vous faire une démonstration avec mon téléphone tout à l'heure. Donc, précaution à prendre avant de l'installation. Donc, un ordinateur sous Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, donc ça c'est bon. Un câble USB d'origine Samsung. Ça veut dire que si vous êtes Samsung, il faut prendre un câble, vous devez tous l'avoir. Driver USB du téléphone installé sur l'ordinateur, téléchargé, installé, drive USB Samsung. Donc ça, il faudra Play Store en principe. Non? On va voir s'il y a besoin de Play Store. Attendez. Vous cliquez sur ce lien-là, télécharger et installer. Donc, comment faire? Il va falloir. Installer cette application-là. Cette application-là va nous permettre d'installer la mise à jour. Après, télécharger ça. Donc vous allez évidemment télécharger un des deux fichiers. Donc évidemment, ça, c'est très, mais très difficile à faire. Donc évidemment, vous allez vous munir de ça. Voilà. Vous téléchargez la mise à jour. Donc ne vous inquiétez pas. Vous perdrez rien. Vous arrivez sur un site Android, Android, je sais pas quoi. Avant d'installer, vous regardez bien. C'est évidemment, c'est bien chez Android. C'est en anglais, voilà. Vous regardez bien que c'est le truc de stockage. Et ça, là. Et une fois que vous êtes bien sûr, que c'est 6.0.1, on fait Bing. Vous téléchargez ça sur votre ordinateur, on a bien la capacité. On a cette capacité-là. Et on sait que c'est sous Android. Voilà. Donc ça se télécharge. Tranquillou. Vous avez plusieurs liens ici. Et vous avez ici un ROM. Donc ici, voilà. Donc, on va aller vers les téléchargements. Téléchargement. Téléchargement. Voilà, donc on va dans les téléchargements. Et dans les téléchargements, on se rend compte que il n'y a pas notre, voilà, il n'y a pas notre chose. Donc, on retourne sur le truc. Et on va le retélécharger. Donc ici, vous voyez bien. Mais Europe. Vous avez Californie, Washington, Washington, USA, USA, USA. Nous, on va mettre ça. C'est parce que lors de l'installation, si vous mettez pas dans la bonne langue, voilà. Et ici, vous voyez, ça se télécharge là. Et je vais vous montrer. Donc ici, on attend que ça se télécharge. Et ici, vous avez votre fichier. Une heure restante. Donc une fois que vous avez ça, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure, voilà. Capitulé. Vous allez taper pour avoir la version Marshmallow. 6.0.1. Vous allez sur
celui-là, donc ce lien-là, que je vais envoyer à tout le monde. Ici. Voilà. Ce lien-là, vous l'ouvrez. Vous avez téléchargé votre version. Vous le mettez. Donc ça, vous en foutez. Ça, on s'en fout un peu. Vous mettez la version en français. Ça se télécharge dans votre ordinateur. Vous avez ici là, ça se télécharge. Et après, vous prenez votre téléphone. On fera ça plus tard. Que vous, ça se télécharge. Vous mettez sur votre téléphone. Par contre, vous vous assurez bien que vous avez bien sauvegardé vos photos. Je vous rappelle, je vais réouvrir le lien. Il faut vous assurer que, évidemment, ça marche bien. Voilà. Faut s'assurer. Précaution avant. Vous sauvegardez bien vos données. Donc vous avez une explication quand vous le ferez. Donc vous avez une explication. Vous avez une explication, même si on vous n'êtes pas sûr. Vous avez une explication qui va vous expliquer qu'il faut bien sauvegarder votre ordinateur. Voilà, et l'ordinateur, le téléphone, il marchera bien. Si vous faites une erreur fatale, et je le dis à tout le monde, parce qu'il y a bien des gens qui vont se planter, avant de faire la mise à jour, ne vous amusez pas à, évidemment, à, comment ça s'appelle, à mettre, en rigolant, ou en vous disant, vous pensez, mettre ouais, en USA, Washington, USA, vous aurez la version se téléchargeant en anglais. Voilà. Donc, Europe, c'est chez nous. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. On en fera une très prochainement pour évidemment rentrer dans le vif du sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, j'en ferai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer les caractéristiques de la vidéo du logiciel, comment il sera installé. On le met sur le téléphone et qu'est-ce qu'il faut faire après? Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt.